CST le 24 octobre 2022 que l'acteur Leslie Jordan est mort dans un accident de voiture à Los Angeles, alors qu'il avait 67 ans. Selon le Los Angeles Times, le dramaturge qui est monté quelques fois sur scène mais qui s'est surtout fait connaître dans la série Will et Grace aurait perdu le contrôle de son véhicule, possiblement à cause d'un soudain problème de santé. Il se trouvait derrière le volant de sa BMW quand il est rentré dans un immeuble. Il a été déclaré mort sur place lors de l'arrivée des secours. Toujours selon le quotidien, aucune certitude n'a pour le moment été donnée quant à la raison de la perte de contrôle de sa voiture, mais les forces de l'ordre ont souligné que l'état de son véhicule suggère qu'il s'agit d'une erreur humaine et non d'un problème mécanique. Des traces du dérapage incontrôlé de sa voiture ont été repérées sur Kawenya Boulevard où s'est produit l'accident, menant directement dans l'immeuble où la voiture de Leslie Jordan s'est encastrée. La mort de Leslie Jordan a provoqué une vague d'émotion, que ce soit dans le monde hollywoodien où il a fréquenté de nombreuses stars, ou chez le public chez qui il s'est aussi fait connaître lors de la pandémie de Covid-19 en faisant des vidéos quotidiennes hilarantes. Il avait à l'époque amassé presque 6 millions d'abonnés en quelques mois grâce à son humour et au réconfort qu'il a pu apporter dans cette période difficile. Récemment vu dans la franchise American Horror Story de Ryan Murphy, dans laquelle il a joué dans 3 saisons différentes, Leslie Jordan avait aussi marqué dans son rôle de Felix Bergman dans Desperate Housewives. Publiquement out, cet homosexuel ayant grandi dans l'état très conservateur du Tennessee était également très impliqué dans le milieu LGBTQ+. Les stars en deuil suite à sa mort, son agent David Scholl a dévoilé un communiqué pour faire part de cette triste nouvelle. Le monde s'est assurément assombri aujourd'hui depuis qu'il a perdu l'amour et la lumière de Leslie Jordan. Il était non seulement un acteur extrêmement talentueux avec qui c'était un plaisir de travailler, mais il a aussi réussi à créer un sanctuaire émotionnel pour toute la nation pendant une des périodes les plus difficiles qu'elle ait traversées. Ce qu'il lui manquait en centimètres, l'acteur mesurait une M50, note de la rédaction, il le compensait avec sa générosité et sa grandeur en tant que fils, frère, artiste, comédien, partenaire et humain. Le seul réconfort que l'on puisse avoir aujourd'hui est de savoir qu'il nous a quittés au sommet de sa vie et de sa carrière. Parmi les nombreuses stars à lui avoir rendu hommage sur les réseaux sociaux se trouve notamment Shaunae, acteur phare de Will et Grace ayant fait son coming out il y a presque 10 ans, qui a déclaré « J'ai le cœur brisé ». Leslie Jordan était une des personnes les plus drôles avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Tous ceux qui l'ont rencontré l'adoraient. Il n'y aura plus jamais quelqu'un comme lui. Il avait un talent unique et un cœur gigantesque. Tu vas nous manquer, mon très cher ami. Alison Janney, talentueuse actrice qui a notamment joué dans La couleur des sentiments aux côtés de Leslie Jordan, a quant à elle écrit « Oh Leslie, tu apportais tant de lumière dans nos vies. Merci pour toutes tes histoires, ton humour, ta gentillesse, ta joie de vivre et ton amitié. RIP mon ami. »